Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo unboxing Mystère Diamond Painting. Voilà. Alors pourquoi Mystère? Je vais vous le dire tout de suite. Alors ça vient de la boutique. Alors c'est une boutique avec laquelle je n'ai encore jamais fait de partenariat. C'est la première fois. Alors c'est la boutique A Diamond Painting. Voilà. De toute façon, je vous remets le nom ici en bas. Et comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens. Les liens nécessaires, hein, voilà, comme d'habitude. Alors, je vous dis unboxing mystère parce que ce n'est pas moi qui ai choisi les kits. Et là, je n'ai pas encore regardé. J'ai juste ouvert l'enveloppe. Donc, je ne sais pas encore, pendant que je vous filme, je ne sais pas du tout ce que j'ai reçu. Voilà. J'ai laissé le mystère jusqu'au bout. Je crois qu'il y en a que 3 ou 4. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas regardé du tout les dessins. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, oui, donc c'est bien ça, c'est 3. Alors, c'est des kits, voilà, comme ceci. Emballés en transparent. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, je pense que ça doit être des perles rondes. Je pense. Alors là, c'est un 30-40. Alors, on va essayer de ne pas déchirer les plastiques. Alors, perles rondes. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, tiens, il y a un nouveau. C'est nouveau, ça. Je sais pas, c'est quoi? Ah non, c'est celui pour en mettre 5, je crois. Oui. Ah ben, j'ai plusieurs... alors là, attendez, je vais l'ouvrir pour regarder. Donc, le petit kit. Donc, avec le stylet, hein, comme d'habitude. Donc, je vais l'ouvrir qu'une fois, hein, puisque je pense que les autres, ça doit être pareil. 2-3 petits sachets, voilà. Bon, la petite glue. Et j'ai les deux embouts supplémentaires. Voilà. Alors, celui avec qu'on peut mettre... alors, je ne sais pas, on m'avait dit qu'il y avait peut-être un chiffre d'inscrit dessus, mais non, je ne vois pas. Je sais que c'est 10, de toute façon. Non, il n'y a pas de... Je vois pas de chiffre. Non, je vois rien. On verra avec mes yeux de top. Donc, celui-là, hop, c'est pour mettre 10 perles d'un coup. Et celui-ci, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je crois que c'est 5, celui-là. Voilà. Attendez. Peut-être moins. Enfin, je ne sais pas. Bon, je ne sais plus. Et donc là, on a le stylet et les deux embouts supplémentaires. Donc voilà. Hop. Je remballe. Pour ne pas perdre. Et voilà. Donc... On disait, c'est des perles rondes. Donc voilà, ils sont emballés donc, dans des sachets zippés. Donc très bien. Au moins, s'il reste des perles, ben, je n'ai pas besoin de prendre mes sachets supplémentaires. Voilà, les numéros sont bien... Si je vois pas le chiffre, là, je ne le vois plus jamais. Hein. Alors, il y a combien de couleurs? Il y en a... Oh là là, mes yeux, c'est de pire en pire, hein, les filles. 18, voilà. Alors, je vous les montre. Alors, ils ont l'air propres. Il n'y a pas l'air d'y avoir de poussière. Donc, ben, le 18, c'est du marron.
Donc là, les chiffres sont vraiment grands. Hein. C'est la première fois que je les vois aussi grands. Voilà, du rose pastel un peu. Un rouge corail. Un autre rose. Là, là, c'est un marron foncé. Bon, là, il y a une petite perle blanche qui s'est perdue, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un gris foncé, un marron, un rouge orangé, un rose saumon. Encore une autre sorte de marron. Un bordeaux. Un marron gris. Voilà. Un gris. Alors, ici, un rouge. Une autre sorte de rouge un peu plus foncé et un gris. Voilà. Donc voilà les couleurs de ce kit. Donc je vais les remettre dans le sachet. Donc des jolies couleurs. Donc maintenant on va découvrir le dessin de ce kit, hein. Je vais le découvrir avec vous. Alors déjà la toile sur l'extérieur, elle est propre, voilà. Il n'y a pas de, il y a pas un diamant de rivière. Et le dessin, oh, un joli cœur, voilà. Voilà, c'est un joli cœur avec des arabesques autour. Mignon, donc c'est un 30-40. Bon, il y a besoin d'un petit coup de fer parce qu'il est plié, hein, mais ça, c'est pas un problème. Donc, il y a le nom, voilà le nom de la boutique ici. Non, mais il est joli. Bon, puis il va aller vite à faire, hein, celui-là. Donc voilà le premier. Hop. On va le remettre dans son petit sachet. Bon, souvent quand c'est des comme ça, des colis mystères, j'ai toujours un peu peur de savoir ce que je vais recevoir. Mais bon. Allez, rentre. Il ne veut pas rentrer. Ah, ça y est. Oups. Voilà. Alors, le deuxième. Alors, il y a quoi? Il y a 24 couleurs. Donc c'est un 30-40 aussi. Donc 24 couleurs, 30-40. Perle ronde. Voilà, bon, le même kit, hein. Voilà, hop, sur le côté. Et également... Exactement le même conditionnement pour les perles, donc les sachets zippés avec le gros numéro dessus. Bah, j'aime bien d'avoir un grand numéro comme ça. Bon, on le voit bien. Allez, je vais vous montrer les couleurs. Comme d'habitude, hein, je vous montre d'abord les couleurs avant le kit. Là, comme ça, je découvre en même temps que vous... À la fin, voilà, un marron clair, kaki,
un gris bleu, un vieux rose. Bon, ça donne peut-être pas pareil à la caméra, mais un bordeaux, ça c'est, ça m'a l'air d'être du noir, oui, donc il n'y en a pas beaucoup. Du vert. Ah, là, le chiffre, il était collé. ici, un violet, parme. Un beige rosé. Un orange. Un bleu marine. Un rose, rose pâle, un bordeaux, là aussi c'est une étiquette, un marron, les sachets sont grands hein, par rapport aux perles, un gris, un orange, un bleu marine un petit peu plus clair que tout à l'heure. Oh, là, ça, il y a beaucoup de gris, là. Un gris. Un marron. Là, c'est... On dirait comme un noir aussi, mais bon, c'est... Je ne sais pas. Un rouge, un rose orangé, un gris vert, un bleu, vous voyez pas bien là, et un gris pour finir. Voilà, donc pareil, des belles couleurs. Donc, on les remet en place. Voilà. Et on va découvrir le kit. Donc, derrière, pareil, il n'y a pas de rivière. Hein. Et le kit. Oh, un Papa Noël. Un Papa Noël rigolo. Regardez. Oh, il est chouette. Il est marrant. Ah, mais il est mis. Avec un paquet cadeau dans ses mains. Il y a la barbe qui dépasse là, jusqu'à par terre. Ses grosses moustaches. Donc, le petit sapin derrière. Oh, il est mignon. Là, j'aime bien. Ça change des Pères Noël qu'on voit souvent. Donc, ça va. J'aime bien. Donc, 24 couleurs, 30-40. Voilà. Alors, de toute façon, je vais rechercher les photos sur le site. Hein, puis, je vous les mettrai à la fin. Si j'ai pu les trouver, vous voyez. Alors, là, de toute façon, vous ne verrez pas bien ce que ça fait. Ça floute. Oui, ça floute. Bon, je mettrai les photos à la fin. Vous verrez mieux. Donc, voilà. Un petit Papa Noël. Ça va. Alors, on va le ranger. Et voilà. Et le dernier, donc c'est un 30-30. Ah, là c'est un carré. Alors, l'ouverture, elle est là. Donc ici, ce sera un carré.
Ah, là, j'ai un peu de mal pour l'ouvrir. Ah, il est bien collé là. Il est bien collé. Bon, tant pis. Je vais voir un peu. Voilà. Voilà. On prend perle ronde. Alors là, j'ai pas de petits sachets ni les embouts supplémentaires, mais bon, c'est pas un problème. Donc perle ronde. Alors, je cherche le bout pour ouvrir pour les perles. Ah voilà. Donc celui-là, j'ai 23 couleurs. Voilà. Et là, c'est les numéros sont mis avec des petites étiquettes. Les sachets sont un peu plus petits, mais bon. Alors, du blanc. Un marron. Vous voyez, ça fait reflet. Hein, je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà. Du marron. Un vert turquoise. Un vert foncé. Marron clair, un marron un peu plus foncé, voilà, là, un vert foncé, marron, un rosé saumoné, on va dire. Un marron plus clair, vert plus clair, marron, encore une autre sorte de marron, là, un plus clair, il y a beaucoup de marron, hein, une autre sorte de marron, encore un vert, je me demande ce que c'est comme dessin. Un marron. Alors, ça doit être du noir. Alors, chouette, regardez, il n'y a presque rien. Alors, du saumoné. Un petit peu plus foncé. Encore une sorte de marron. Ah, un violet. Et là, oh, un gros paquet de roses. Donc voilà les perles. Hop. Bon, c'est des jolies couleurs. Et donc on va découvrir le dessin. Je vous remets un peu droit. Donc là c'est un 30-30, donc c'est un petit. Derrière, pas de souci. Et devant, alors c'est un petit personnage. Voilà. Comme une petite poupée, on va dire. Elle est jolie. Avec plein de fleurs dans les cheveux. Moi, j'aime bien, elle est jolie. Bon, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de bouche. Mais ça, c'est rien. C'est pour ça que je dis, ça fait un peu poupée. Donc avec le fond est rose. Non, elle est très jolie. Elle est belle. Hein? Donc là, c'est un 30-30. Donc, bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est 30-30 en complet. Là... ça fait 25 sur 25, voilà.
Alors, très belle. Alors, ils ont fait un très bon choix. J'aime bien. J'aime bien tout. Hop, on va tout remettre. Donc, je remercie encore la boutique, donc, à Diamond Painting. Je remercie aussi, bon, j'ai le choix qu'ils ont fait hein, pour les kits. Ça va, j'aime bien. J'aime bien le Père Noël, le cœur, la petite poupée. Il n'y a pas de souci, j'aime bien tout. Donc, je les ferai un peu aussi au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Bah écoutez, moi, n'hésitez pas à me dire si ces kits vous ont plu. Je vous mets en barre d'infos donc le lien de la boutique. Je vais voir pour retrouver les liens de ces trois kits, comme ça pour que vous puissiez les retrouver si jamais ils vous intéressent. Et donc, j'ai encore un grand merci donc à la boutique A Diamond Painting, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Et voilà. Donc, bon, ils ont bien choisi. Ça va, j'aime bien. Et bon, de temps en temps, j'aime bien quand même recevoir donc des colis un peu mystères comme ça, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça a son charme également. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vais vous faire des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et à bientôt. Bisous, bisous. We'll be right back.